Oui, bonjour. Et bonjour. Nadia Vigneault, Sylvain Dernais. Sylvain Dernais. Bonjour. On va parler de forensique. Donc, je suis conseillère en... Hein? Montant. Oui. Correct? Oui, parce que... T'es trop fort. C'est atroce. Je suis conseillère en sécurité à l'Université Laval, au Bureau de sécurité de l'information, au BSI. Je suis aussi formatrice en cyber-enquête au Cégep Garneau. Je m'occupe entre autres de la gestion des incidents de sécurité, des enquêtes informatiques et la gestion des vulnérabilités et des tests de vulnérabilité. J'ai un background de comptable. J'ai œuvré pendant une quinzaine d'années comme enquêteur régional en informatique auprès de Revenu Canada. Et maintenant, je passe ma pension à enseigner au niveau des baccalauréats en ingénierie informatique et aux jeunes informaticiens à l'Université Laval et à la Polytechnique. Je l'ai eu comme prof. Donc aujourd'hui, on va parler des enquêtes, des processus, des normes. On va vous montrer aussi certains démos de logiciels. Donc, une enquête à l'Université Laval, c'est un petit peu différent avec Sylvain, mais à l'Université Laval, on est toujours mandaté par le service de sécurité de la police sur le campus. Donc, il y a des enquêteurs, il y a des agents de sécurité, mais il y a des enquêteurs aussi. Donc, quand on reçoit un mandat de sécurité, ben d'enquête, on est sous mandat, donc on a le droit de faire notre enquête. Donc, on ne prend pas par... une décision personnelle, on va enquêter sur un professeur ou un étudiant. De mon côté, dans le privé, c'est un petit peu plus complet. Quand tu es investigateur numérique, généralement, tu vas avoir à faire un complément d'enquête physique. C'est ça. Donc, c'est quoi l'investigation numérique? Oui. Alors... L'investigation numérique, je suivrai pas trop les diapositives. Ces diapositives-là vont vous être rendues disponibles sur le site du Hackfest par la suite. En gros, l'investigation numérique, c'est quand les dégâts sont survenus, quand il y a eu un hacking, un piratage qui a été fait. Nous autres, on arrive dans le décor et c'est là que notre job commence vraiment. Alors, comparativement à la sécurité, c'est plutôt la défense du périmètre informatique. Nous autres, c'est beaucoup plus comme de l'archéologie qu'on va faire. Alors, on va ramasser les ordinateurs ou des images de contenu, de disques durs, de médias et on va examiner le contenu de ça pour trouver des preuves et les extraire de façon à les amener à la cour, de façon à ce qu'elles soient admissibles. Un des outils qu'on va se servir, ça va être l'imagage. Il faut comprendre que imager un média ou un disque dur, c'est tout simplement de prendre le contenu d'un média, bit par bit, et de le stocker à l'intérieur d'un fichier. Donc, on se sert de ça abondamment pour la très simple raison qu'on va préserver les originaux, on va les mettre de côté, ce qui est un des fondements de l'investigation numérique, préserver les preuves contre les modifications pour pouvoir les présenter à la cour telles qu'elles étaient au moment où on les a ramassées. On va se servir aussi du terme forensique. Qui n'est pas un terme francisé, mais qui vient du latin forensis, qui veut dire sur la place publique, pour la simple raison qu'à l'époque, la justice était rendue sur la place publique. Alors, qu'est-ce que c'est que la forensique? C'est tout ce qui s'occupe c'est toutes les sciences qui vont venir s'occuper de prendre des preuves et de les interpréter, puis de les amener jusqu'à la cour de façon à ce qu'elles préservent leur authenticité. Oh.
OK, je vous parlais des fondements de l'investigation numérique. Il y en a plusieurs. Un de ces fondements-là, c'est la continuité de possession. On va prendre beaucoup, beaucoup de notes sur la façon qu'on est entré en possession des preuves originales. On va documenter abondamment tout ce qu'on va faire. Donc, si on se sert d'un logiciel, on va dire, OK, c'est quoi la version du logiciel? Comment on l'a installé, dans quel type de système d'exploitation, etc. Alors, on va prendre beaucoup, beaucoup de notes à propos des actions qu'on fait et les observations qu'on va faire à partir de ces logiciels-là. On va vouloir faire preuve de neutralité, d'objectivité, et on va vouloir protéger la preuve originale en tout temps. Donc, c'est pour ça que on va cloner la preuve. On va cloner les médias ou on va imager les médias et on va travailler à partir de ça. Les originaux vont être stockés de façon sécuritaire, de façon à ce que jamais on puisse se remettre en doute l'originalité, l'authenticité de ces preuves-là. Il y a une distinction à faire entre fouiller un média et examiner un média. La grosse différence entre ces deux éléments-là, c'est que je vais fouiller pour déterminer le média. Est-ce qu'il est saisissable? Est-ce qu'il contient de la preuve? Ça va être l'approche générale pour la fouille. Tandis que quand je vais examiner, ça va être pour faire un... Je veux faire le tour de l'ensemble du contenu d'un média et je vais vouloir être en mesure d'interpréter, d'extraire ces preuves-là, de les interpréter pour les enquêteurs et finalement d'être capable de les convertir de façon à ce qu'elles soient aisément accessibles à la fois aux enquêteurs ou à la cour. Un autre élément qui est important, c'est de fonctionner à partir de médias qui ont été aseptisés, c'est-à-dire qui ont été remis à zéro complètement. On va vouloir authentifier la preuve par différentes méthodes, notamment l'utilisation d'empreintes numériques, c'est-à-dire de hash en bon langage de sécurité. Alors, on va vouloir hacher les fichiers, hacher les médias qu'on va avoir ramassés. Principalement, il y a cinq façons de ramasser des preuves sur un média. C'est soit on va fournir l'original du média, ou on va fournir un clone, ou on va fournir une image du média, ou on va fournir une copie ciblée des preuves qu'on entend soumettre, ou une copie extensive. OK? On va procéder à une démonstration pour authentification et imagage. Quand je vous parlais de clone, c'est qu'on va d'abord générer une image. Ensuite de ça, on va restaurer cette image-là sur un média qui a été aseptisé, justement. Alors ça va être les deux premières vidéos. Ici, on a une barrette 128 MB contenant à la racine 5 fichiers JPEG. De plus, dans le 10e secteur, on a rajouté un mot bizarre. Donc, le 10e secteur est pour assujetti au répertoire racine. On a fait la même chose dans l'avant-dernier secteur physique de la barrette USB. Une méthode d'authentification qu'on peut utiliser avec à la fois en recherche et développement et dans l'investigation numérique comme telle, c'est le hachage, la prise d'empreintes numériques. Par exemple, avec QuickHash,
on va pouvoir créer cette empreinte numérique-là. Alors, on va démarrer. Alors, on voit que l'empreinte a été calculée. On va tout simplement faire un copier-coller à l'intérieur d'un fichier texte pour créer l'image. On va tout simplement faire créer l'image du disque. On va choisir un disque physique. C'est très rare qu'on va choisir un disque logique en investigation numérique. On va aller sélectionner notre barrette USB de 128 MB. On va sélectionner le format. Ici, on va choisir le format le plus compressé. On pourrait documenter un petit peu plus la situation de notre barrette USB ici. C'est à peu près essentiel quand on est dans un laboratoire. Et on va envoyer ceci sur une barrette USB cible en lui donnant ici, on pourrait faire de la compression. C'est inutile parce qu'on est avec 128 MB, mais compressé à 9, ça va faire très petit. Et on démarre. Alors, l'image s'achève, fait une vérification et on vient nous afficher les empreintes numériques qui ont été calculées par le logiciel. Ici, on pourrait se permettre d'aller comparer ça avec l'empreinte numérique qui a été calculée par le logiciel QuickCrash. Alors, si on fait la comparaison, on voit que c'est identique. Donc, l'image est absolument identique à sa source physique. La deuxième, c'est la restauration. La restauration est le processus qui nous permet de lire une image forensique et de la répercuter bit par bit sur un média. Alors, on va ajouter l'image qu'on entend restaurer, barrette, et on va ouvrir cette barrette pour être capable à ce moment-là de faire la restauration, Device Restore. Et on doit sélectionner sur quel média on va faire la restauration. Ici, il y a un danger, évidemment. Fort heureusement, il y a une fonction de sécurité qui nous empêche de faire la restauration sur le disque sur lequel le système d'exploitation actif est installé. Donc, on va choisir la barrette de 122, de 128 MB qu'on a préalablement aseptisée. Donc, on sélectionne l'aspect physique de cette barrette-là, puisque notre image forensique est physique. On peut rajouter différentes fonctions qui nous permettent d'authentifier la copie. Il faut, comme pour l'aseptisation, donner notre accord et on a une barre de progression qui va progresser dans le. Ensuite, on a une vérification qui est engagée. Finalement, la restauration a été complétée, mais encore une fois, on n'a pas d'avertissement comme quoi ça a été complété. Un des problèmes de Encase Forensic Imager, c'est qu'il est écrit sur le disque dur local. Donc, on ne peut pas se servir de Encase Forensic Imager pour faire de la fouille ou de l'examen de médias. Pour pouvoir aller voir si la restauration s'est effectuée correctement, on va utiliser FTK Imager. Correction. On va aller ouvrir le disque physique qui a été restauré. Et on peut voir dans le dixième secteur que notre mot-clé est bien là. Et de même dans l'avant-dernier secteur.
OK. Les gens de sécurité sont en droit de se demander, ben, pourquoi nous autres, on ferait ça? Pourquoi, en tant qu'officier de sécurité, on voudrait imager un disque dur ou on voudrait imager une mémoire RAM? La réponse est fort simple. C'est pour garder vos opportunités ouvertes. C'est-à-dire, en ramassant les preuves immédiatement après que le bris de sécurité se soit passé, on augmente nos chances de pouvoir poursuivre les malandrins, les personnes qui commettent le piratage. Donc, quand vous voyez une brèche de sécurité, des outils comme FTK Imager, Encase Forensic Imager, ben FTK Imager surtout, ça va vous permettre de ramasser le média immédiatement, aussitôt que la brèche de sécurité est survenue. Le prochain vidéo, c'est comment copier non pas l'ensemble du disque. Copier de façon forensique avec FTK Imager est très simple. Donc, on a une barrette USB qui est ouverte au niveau physique à l'intérieur de FTK Imager. On va sélectionner un certain nombre de fichiers. On va envoyer ça dans ce qu'on appelle un custom content. Alors, on sélectionne nos fichiers, clic droit, on l'ajoute à l'image custom content. On pourrait prendre une partie du répertoire pour l'ajouter ou on pourrait prendre la totalité du répertoire. Une fois qu'on est certain que ça contient l'ensemble des données qu'on veut extraire, on va créer une image. À partir de maintenant, bon, ici, il faudrait documenter en temps normal. Et ici, ça suit le même processus que celui qu'on a utilisé pour fabriquer l'image. Donc, on va envoyer ça dans la cible et on va faire copier. Et on va garder les paramètres qui sont là, des fragments de 1500 mégaoctets et compressés au meilleur. Et à ce moment-là, c'est très rapide comme processus et on obtient une empreinte numérique qu'on peut comparer au résultat. Il est à se rappeler que l'avantage de faire ça par le biais d'un conteneur unique, d'un conteneur d'archives, c'est tout simplement qu'on va garder les propriétés ainsi que le chemin de chacun des fichiers. Ça va être préservé. Et à l'intérieur de ce conteneur-là, c'est un conteneur forensique. Donc, on va garder tout ce qui est métadonnées, en fait, toutes les paradonnées ainsi que les intradonnées. OK? Je fais une distinction. Quand on parle de métadonnées, on va parler d'intradonnées quand les données, quand les éléments sont à l'intérieur du fichier. Les paradonnées, quand les données sont à l'extérieur du fichier. L'exemple le plus courant, c'est en NTFS. Il y a une partie des informations dans un fichier Word, par exemple, qui vont être gardées à l'intérieur du fichier Word, mais il y a une autre partie qui va être localisée dans la base de données $MFT. Alors, ça, dans la base de données MFT, c'est des paradonnées. L'élément suivant, je vous parlais de fondements. C'est une liste des fondements en investigation numérique. Je ne veux pas rester là-dessus trop longtemps. C'est un cours à toute fin pratique de 3 heures en soi, juste de passer à travers de ça. Fait que, mais tout de même, vous avez la liste, vous pouvez vous faire une idée. OK, donc, peu importe si vous avez un disque dur, une clé USB pour faire votre enquête, on doit respecter... Oui, descend. OK. Donc, on doit respecter des normes. Donc, il faut identifier la source. On va acquérir l'image, on va respecter l'intégrité, comme tantôt Sylvain disait. On va restaurer, extraire les données de ces médias-là, on va l'analyser, puis on va rédiger un rapport. Donc, on suit des normes, entre autres celui du NIST, que vous connaissez peut-être, le SP 886 et l'ISO
27, 2, 37, 40, 41, 42. Donc, on a quatre grandes étapes. On a l'acquisition. Donc, on a vu tantôt l'acquisition. Moi, j'appelle ça l'acquisition statique. L'ordinateur est fermé. Donc, vous avez votre disque dur. Vous l'analysez pour faire l'analyse. Donc, vous faites une acquisition statique. On peut faire une acquisition dynamique aussi. Donc, votre ordinateur est ouvert. Et là, vous faites une capture à la mémoire. La deuxième grande étape, c'est la restauration et extraction. Donc, par la recherche, que ce soit, on va le voir tantôt, je pense, dans les stratégies de recherche. Il y a différentes stratégies de recherche pour retrouver la preuve. On peut aussi, la troisième, c'est l'analyse. Donc, vous avez vos données, vous avez restauré des informations, des données. Donc, vous analysez et par la suite, bien, vous faites votre rapport d'enquête. Donc, on a un contexte physique, on est dans l'acquisition. On a un contexte logique, on est dans la restauration de données, on est dans le contexte légal, les deux derniers pour l'analyse et le rapport, puisque vous êtes dans les informations et la preuve. Donc, ce qu'on va parler, c'est le forensique numérique en direct, en réseau, à distance, la cyber-enquête. Oui, la source où est située votre preuve? Ben la source, ça peut être physique, un disque dur, par exemple. Elle peut être locale sur votre réseau, mais elle peut être aussi à distance. Donc, elle peut être virtuelle sur un cloud, sur fournisseur Internet, votre hébergeur. Donc, elle peut être un petit peu partout. Mais il va falloir aussi corréler la preuve. Donc, vous savez, on a des preuves un petit peu partout, des logs partout. Donc, il va falloir corréler tout ça. L'acquisition statique d'un média, ben l'ordinateur est fermé. Donc, c'est statique. Vous faites votre image bit à bit, comme on a vu tantôt. Vous avez l'original, on a une copie de travail, on a une copie de sécurité. On travaille jamais sur la copie de sécurité, on travaille encore moins sur l'original. On travaille sur la copie de travail et on garde en sécurité les autres copies. Stratégie de fouille. Ce que vous avez ici, c'est une liste la plus complète que je sache. Quand vous parlez à un avocat qui va amener vos preuves à la cour, l'avocat va vous demander, t'as-tu fait une recherche par mot-clé? Pour eux autres, là, une recherche par mot-clé, là, c'est comme le top de ce qui se fait en matière de recherche sur un disque dur. C'est faux. OK? Bon. C'est un outil. Ça, je suis pleinement d'accord. Je les ai pas classés par ordre d'importance ni d'utilité. Je pense que c'est à tout un chacun d'apprécier l'utilité de la méthode compte tenu de l'incident dont vous avez été victime. Donc, vous devez sélectionner la méthode appropriée. En gros, signature des fichiers, c'est qu'au début et parfois à la fin, il y a un certain nombre d'octets qui sont localisés là, qui vous permettent d'identifier de façon formelle le contenu, il se rapporte à quoi. Donc, par exemple, pour un fichier JPEG, vous allez avoir une signature de début qui va être FFD8 et une signature de fin qui va être FFD9. Donc, entre les deux, vous avez une image JPEG. Il s'agit de ramasser ça. Tantôt, on va voir dans le carving à quoi ça peut bien servir. Pour les extensions de fichiers, ça a une certaine utilité, quoique c'est bien facile de changer une extension de fichier. Mais sachez que quand un malandrin modifie une extension de fichier, dans les logiciels forensiques comme Autopsy, il se ramasse dans une catégorie bien, bien à part. Alors, au lieu de cacher un fichier, ça fait rien que juste nous le tirer dans la face. Vous fait que c'est pas une bonne stratégie pour camoufler de l'information. D'autres propriétés, on va parler de date, d'auteur, par exemple. Repérer des données par empreinte numérique. Alors, il y a deux stratégies. C'est soit pour éliminer ces fichiers-là parce qu'on les connaît puis on est certain de leur sécurité, ou qu'on recherche des fichiers bien particuliers. La grosse utilisation d'empreintes incluant, c'est la pornographie infantile. Alors, quand on veut faire du repérage là-dessus, on sert d'empreintes numériques incluant.
Des mots-clés, des phrases-clés, oui, ça existe. Des expressions régulières très puissantes. Très, très, très puissantes. Quand vous connaissez déjà le contenu d'un fichier, puis que vous voulez rechercher ce fichier-là sur un média, c'est... Regarde, ça... C'est vraiment très, très, très rapide parce que dans les logiciels d'investigation numérique, tu peux les faire classer par ordre d'empreinte numérique, par ordre alphabétique, alphanumérique. Puis, tu as juste à aller chercher sur ta bonne empreinte ou tu peux le faire sortir par le logiciel, le mettre dans une catégorie à part. Donc, c'est extrêmement puissant. L'arborescence, ben, il s'agit simplement de connaître son Windows, de connaître son Linux, de connaître son Unix, puis d'aller chercher aux endroits où les preuves sont. Ça, c'est l'arborescence, les lieux probables. Tu sais que tel type de piratage, tu vas te retrouver avec une preuve à tel endroit dans l'arborescence. Ben, tu niaises pas, tu t'en vas directement sur la preuve pour la ramasser. Vestiges d'informations et les informations furtives. L'usager n'est pas toujours conscient des traces qu'il laisse. Toute action sur un ordinateur va laisser des informations qui sont... inscrite au corps défendant de l'utilisateur. Okay, donc, dans l'acquisition statique, quand on veut faire l'acquisition, l'image d'un disque dur, on a un duplicateur qui coûte très cher. Donc, il va dupliquer en même temps sur deux disques durs ou trois disques durs. Ça coûte peut-être 5 000, 10 000, 15 000 $. un tableau, qui est un équipement informatique à peu près gros comme ça. Vous le branchez sur le disque dur et l'autre partie est branchée sur votre ordinateur pour faire l'acquisition. Donc, ça, c'est peut-être entre 400 et 500 $. Il y a des alternatives à ça. Si vous voulez faire une image de votre disque dur puis vous n'avez pas 15 000 $ à investir, bien, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de démarrer votre ordinateur sur une clé USB comme Def Linux ou Kali. Puis vous imaginez avec Guy Major et vous montez votre disque dur, le lecteur en read-only. Donc, c'est la meilleure chose à faire quand on n'a pas un budget pour investir dans des grosses machines comme ça. Les logiciels, ben encore là, on a des logiciels qui sont très dispendieux comme InCase, Access Data, Berkasoft, mais on a du open source. Et comme je suis très open source, ben on utilise beaucoup d'open source. Donc, Autopsy, DFF, OS Forensic, ProDiscover, le bon vieux DD fait l'affaire. Registry Decoder, c'est un autre open source. Guy Major, Cyclone, vous avez votre outil préféré qui est Kali, donc, ou Def Linux. Tout est là aussi pour faire la criminalistique forensique. Donc, Access Data, c'est dispendieux, mais ça fait quand même une belle job. Si t'en fais beaucoup. Oui. Si t'en fais beaucoup, Access Data, Guidance, X-Ways, c'est des outils top-notch. Là. Mais à 3500 $ US la coche, Autopsy, excellent. Excellent. Je peux pas dire mieux. Devant les autorités judiciaires, il y a une meilleure. Oui. FTK Major, FTK, qui est le grand frère, la version payante de FTK Major. FTK, NCase et X-Ways, c'est le top. Sauf que quand tu regardes Autopsy, Autopsy est utilisé par le Homeland Security aux États-Unis. Fait que si c'est pas bon, explique-moi un petit peu. L'autopsie est dans les shareware? Non. Dans les open source. Gratuit. Et ils s'en occupent. C'est le genre d'organisation qui s'occupe de ces outils-là. Et ils progressent. Ils ont publié la version 4 lundi passé. J'ai hâte de l'essayer. OK. Aucune idée. Il y a une certaine indexation qui doit se faire sur l'acquisition. Oui.
L'indexation, c'est une des phases. Une fois que tu as fait, l'image, tu reprends ton image et tu vas faire une liste de mots basée sur le contenu. Okay? La réponse, c'est « je ne sais pas », puis il y a une bonne raison à ça. Moi, j'ai quitté Revenu Canada en mai 2013, et j'ai pu retoucher à Guidance, c'est-à-dire à Encase, le grand frère de Encase Forensic Imager. Okay? Je ne saurais pas répondre à ça, mais je peux vous dire que Autopsie va faire l'indexation du contenu et prendre des heures. très, très raisonnable. Je ne peux pas donner un comparatif, mais un disque de 250, ça je l'ai fait avec une machine, mais vraiment très ordinaire. Acheté chez le bureau en gros, puis that's it, là. Ça m'a pris 2 jours. Ça semble énorme, mais quand tu y penses, la puissance de traitement est comme ça. Et le disque dur était en utilisation depuis 7 ans, quelque chose comme ça. T'sais, fait qu'il est tout encrassé d'un bout à l'autre. Là. Fait que, parce que les outils forensiques vont examiner, vont recueillir comme données exactement tout ce qu'il y a sur le média. OK? Dans les secteurs vides, dans les secteurs plus encore. Dans la table MFT, toutes. Ils prennent toutes. OK? Oui? J'ai une dernière question pour que vous puissiez continuer. Et à discuter, parce que vous passez au travail. Dans cette présentation-ci? Oui. Non. Juste chez Guillaume? Non. Non. ça, c'est vraiment. Présentement, là, ce qu'on est en train de faire là, comme présentation, là, c'est un petit peu correspondant à la toune de Rock et Belles Oreilles, faire le tour du monde en 3 minutes et 20 secondes. Là. OK? Fait que quand vous sortez du site, vous n'êtes pas investigateur numérique. Faites attention, il y a des composantes légales. On n'en parle pas en tout. Là. Là, on est en train de traiter du côté technique. Même pas. T'sais, un petit côté technique. Un petit tour d'horizon de Autopsie. OK. Donc, Autopsie, ben, c'est un petit peu comme FTK Major. À gauche, vous avez l'arborescence de votre disque dur. Les crochets rouges indiquent que c'est un fichier ou un répertoire effacé. Donc, vous avez ce qui est très, très, très intéressant avec Autopsie, ce qu'on peut rechercher, c'est catégorisé par type de document. Des vidéos, des audios, des PDF, des TXT, des images. Donc, c'est très bien structuré, très bien présenté. C'est facile à travailler avec Autopsie. Donc, on peut voir l'image, on peut voir la version texte, on peut voir le string hexadécimal. Donc, c'est très intéressant une fois que tout est indexé. Donc, c'est naturellement, on peut classer par date de modification, accéder, et création. On a, là on voit, c'est des PDF, donc c'est très intéressant. On a, comme Sylvain disait, si le disque dur a jamais été wipé, excusez le terme anglais, vous allez retrouver des données qui datent de plusieurs années. Donc, c'est pour ça que des fois, tu te dis, bon, ben c'est-tu le disque, c'est quoi qui est l'actuel de ce disque-là, parce que c'est quand on ne wipe pas, ben on retrouve encore des anciennes preuves, des anciens fichiers. Donc, ça fait un petit tour de Autopsie. Oui, l'operating system, comme on voit là, il y avait eu un Windows 8.1, puis après ça, il est passé à Windows 10. Donc, on a la preuve que finalement, il y avait Windows 8. On ne peut pas cacher grand-chose. Je peux vous dire, on retrouve pas mal tout. Ça, c'était... Oui. Oui. C-
C'est plusieurs passes. C'est un DOD 3 passes. Oui. Vous pourriez faire ça, par exemple, avec NCASE Forensic Imager si vous étiez en Windows et si vous êtes en Linux. DD. Avec DD, avec un IF égal à 0 ou à null, dirigé vers votre média. OK. Forensique en direct, ce qu'on appelle le live forensique. Ça, votre ordinateur est ouvert. Vous êtes devant un incident de sécurité, par exemple, que ce soit une attaque ou peu importe la raison pourquoi vous êtes là. L'ordinateur est ouvert. Ne le fermez pas. OK? Je sais que traditionnellement, on disait on ferme l'ordi. Non, non, non. OK? Donc, vous avez une clé USB, vous avez tous les outils que vous aimez travailler avec, par exemple, RAM Cantura de Berkasov. Vous avez NIRSA, vous avez système SIS Interners et peu importe les outils que vous avez pour faire du FTK Imager, naturellement, pour faire la capture de la mémoire, vous prenez ça. C'est sûr que votre clé USB va laisser une trace dans la base de registre, mais vous savez c'est quoi son numéro, sa marque. Donc, par après, quand vous allez faire votre rapport, vous allez l'indiquer. Donc, vous fermez jamais un ordinateur qui est en train de subir une attaque. Vous lui faites un remote, un live forensique. Super important. Quand on fait des positions live de l'enfant devant les enquêteurs, on tente bien sûr de ne pas contaminer la preuve. Le fait qu'il y ait une intervention, c'est plus compliqué à dire que vous avez ajouté ça dans le but de pouvoir contaminer la preuve comme telle. C'est que ça s'explique. OK? On sait à peu près à coup sûr. Quelles sont les modifications qui sont intervenues sur l'ordinateur au moment du branchement de la clé USB dans l'ordinateur, au moment du branchement du petit disque dur éventuel que vous avez branché aussi pour recueillir la preuve. Et on sait qu'on a démarré FTK Imager. Ça, comment on le sait? On le sait parce qu'on a documenté. OK? Et ça, documenté, là, c'est l'affaire la plus difficile à rentrer dans la tête d'un homme ou d'une fille. Ou d'une femme. Oui, excusez. On dirait, là, tu parles de documenter, puis là, c'est une montagne. Mais ça te met à l'abri de ce genre de choses-là. C'est que ça va te permettre de dire, oh, oui, à telle heure, à tel moment, j'ai parti tel logiciel avec telle version, j'ai branché tel dispositif USB, tel numéro avec un numéro ça de long, là, OK, à tel moment. Confirmé, oui. Oui, oui. C'est parce que c'est des événements qui sont facilement spotables. Fait que on est capable d'expliquer ça. OK? C'est ça. Donc, quand vous êtes devant l'ordinateur, ben, vous allez prendre tous les processus qui sont ouverts, tous les fichiers qui sont ouverts, tous les connexions sur le réseau. Donc, vous documentez tout ça. Puis après ça, ben, comme on disait, on est capable après ça de dire, bon, ben, à telle heure, j'ai branché la clé. Ça, c'est une image de l'ordre de volatilité des données, le RFC 3227. Du plus critique, comme on pourrait dire, le rouge, ce que vous avez à prendre suite en capture, juste au le plus persistant, les données sur le disque dur. Donc, les outils intéressants, on a encore FTK, Imager, comme je vous disais tantôt, NIRSOF. Je vais vous montrer une petite démonstration de Bulk Extractor qui est super intéressant. Vous avez votre image de que vous avez capturé, donc puis après ça il va extraire tout ce que vous voulez, les URL qui ont été visités, les mots-clés dans le moteur de recherche, super intéressant. Et Volatility Framework, il y a un de mes préférés aussi.
OK, donc ça, c'est BOC, version GUI ou version ligne de commande. Donc là, j'avais une image de peut-être 2 gigs. Ça n'a vraiment pas pris de temps, c'est sûr. J'avais 24 gigs dans mon portable, mais ça a tourné rapide. Et donc, il vous donne tout ce qu'il a fait dans son traitement. Donc, vous rentrez la commande Bulk Extractor, vous donnez l'output et le nom du fichier de la mémoire. Donc, il a défilé, puis après ça, il vous donne son résultat. Il va créer plusieurs petits répertoires qu'on va voir tantôt. Il les classe par... lui, il y a plusieurs scanners. Donc, il y a un scanner URL, un scanner IP d'image. Donc, là, vous avez le résultat du scan. Il crée des fichiers TXT pour chacun des scans qu'il a fait dans l'image. Ça, c'était URL. Donc, il vous sort toutes les URL que l'utilisateur a visitées. Donc, c'est volatile, hein? Donc, si la machine t'a ouvert depuis 5 heures ou 1 heure, ben il a pris une image actuelle de l'ordinateur. Après ça, j'ai ouvert, les numéros de téléphone. Donc, ça peut être des téléphones qui sont inscrits dans des courriels que vous recevez, des documents, donc, très bon scanner. Les IP, toutes les IP. Là, je voulais cacher un petit peu l'IP. Et ensuite, fine, ça, il n'y avait rien dedans. Puis le dernier, c'est les domaines. Donc, tous les domaines qui ont été sauvegardés pendant dans l'image, dans la capture de la mémoire. Donc, ça peut être 5 minutes ou 15 minutes d'attente quand vous partez le traitement. C'est super intéressant. L'autre, Volatility Framework. Open source autant en Windows qu'en Linux. Donc, vous lui donnez le nom de fichier. Et la première étape, c'est faire une image info parce que là, vous voulez savoir c'est quoi la fiche technique de votre image, c'est quelle sorte de Windows, quand est-ce que la capture a été faite. Donc, en quelques minutes, il vous donne le résultat. C'est la première commande à faire. Parce qu'après ça, Volatility Framework a une vingtaine, je dirais peut-être même une trentaine de commandes. Si vous voulez savoir si votre image avait des malwares, c'est quoi les connexions réseau qui étaient ouvertes au moment même que vous avez fait votre image, il vous donne, vous avez comme je disais tantôt, une vingtaine de commandes possibles. Donc là, ça c'est la commande. Donc, vous lui donnez le profil. Vous savez que votre image, là, maintenant, c'est une, vous savez, donc c'est une Windows 7 SP1. Et là, je vais lui donner la commande PSList. Naturellement, vous pouvez sauvegarder dans un fichier output, mais là, pour le besoin, il sort à l'écran. Donc là, vous avez tous les processus qui étaient ouverts lors de la capture. La suivante, c'est les drivers. Tous les drivers qui étaient installés sur l'ordi au moment même que vous avez fait votre capture. Là, je pense que je fais un Hive. C'est ça. Ça va de la base de registre. Donc, il donne toutes les adresses physiques de la base de registre. Puis après ça, ben là, vous avez toutes les listes, donc la SAM, la security, le système. Puis après ça, vous pourriez lui donner, faire un dump, fais-moi un dump de la security, par exemple, ou de la SAM. Et la dernière, le file scan. Ça, c'est très intéressant aussi. Ah, les DLL, oui. Il vous laisse toutes les DLL qui étaient sur le disque. Puis le dernier, c'est le file scan. Donc, il va scanner. Va vous donner, il va afficher tous les fichiers qu'il y avait sur le disque dur. Lui, je l'ai arrêté parce que c'était trop long. Donc, quand vous avez beaucoup de mémoire sur votre portable,
ou sur l'ordinateur que vous enquêtez, vous faites ça, c'est génial. Si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, ben ça prend de la patience. Forensique en réseau ou le network forensique. On ne fait pas de démo pour Wireshark. Je pense que vous êtes de très bons connaisseurs de Wireshark. Mais mon trio préféré quand on fait une surveillance et quand l'enquête nous demande de surveiller tout ce qui se passe sur le trafic pour un utilisateur en particulier, ben c'est un TCP d'onde. T-Shock et Wireshark, mais pour y utiliser Network Miner, qui est très visuel aussi, qui est très intéressant comme outil. Des exemples de commandes. Je peux vous dire ce que j'ai fait cet été. J'avais une surveillance à faire et j'ai fait un petit script bash pour démarrer tous les matins un TCP d'onde sur l'adresse IP qu'on avait tapée. On a fait un spam port. Et on avait dans un cron, je l'ai mis dans un cron, donc il y a tous les matins de la semaine à 8 heures, j'avais un TCP donc qui démarrait. Donc, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ça, ça décolle tout seul. Donc, c'est super intéressant. Puis, naturellement, T-Shark peut vous extraire ce que vous voulez de votre PCAP. Au lieu d'ouvrir un PCAP de 10 gigs, ben vous en ouvrez un de peut-être 500 MB. Et pour les logs, ben une belle expression régulière que Sylvain a bien aimée pour extraire ce que vous voulez de vos logs. Vous connaissez bien les greppes, puis les hocks et tout ce que vous voulez. Donc, et Wireshark, ben, un logiciel d'enquête super intéressant quand vous faites de la surveillance. Ça, c'est tout simplement parce que quand tu fouilles dans les logs reliés à une enquête, mais là, tu veux savoir c'est quoi l'adresse IP que la personne a été visitée. Ben, Domain2, c'est des outils très intéressants de cyber-enquête pour savoir qui appartenait à l'adresse IP puis c'est quoi l'adresse IP. Donc là, on avait un beau site russe pour télécharger des fichiers TOL. Le remote forensic, c'est à distance. Donc, FTK Toolkit nous permet, quand tu as l'adresse IP et quand tu as un compte admin local sur la machine qui est à distance, tu pousses un agent de FTK et là, tu fais l'acquisition de mémoire volatile ou même image du disque dur. Vous allez me dire que 500 gigs sur le réseau, c'est long, oui. Des fois, ça plante, mais quand on est chanceux, ça plante pas. Puis, c'est très intéressant parce que comme le campus de l'Université Laval est même assez grand, ça nous empêche de nous déplacer sur dans un autre pavillon. Donc, on fait un remote forensic et c'est génial. Mais encore là, faut avoir un compte admin et c'est sur l'adresse IP. Puis, si vous êtes dans le cadre d'un mandat, okay? Donc, vous faites pas ça pour la fun. Les outils de cyber-enquête que vous connaissez, hein, la suite Kali en a beaucoup. Donc, on a différents outils de cyber-enquête que vous connaissez sûrement pour faire de la collecte, parce que qu'on fasse du hacking ou qu'on fasse l'enquête, la collecte d'informations, c'est notre première étape. Forensic Mobile, quelques logiciels et des VM aussi, des VM très intéressants comme Santoku, Def Linux, vous avez des outils pour faire l'enquête forensique sur des appareils mobiles, donc Android ou iPhone, peu importe. Access Data en a un aussi. Réponse à un incident sécurité. Vous savez, un incident, on peut enquêter, par exemple, sur qu'est-ce qui s'est passé sur un serveur FTP, par exemple. Il y a eu des dépôts de fichiers illégaux sur le serveur FTP, mais ça peut tourner en enquête parce que la personne, si c'est juste des IP externes qui ont été sur le serveur FTP, ben tout bad, je ne peux rien faire. Mais c'est des IP qui appartiennent à l'Université Laval, par exemple, là, on va enquêter. Et là, le SSP embarque dans l'enquête, puis là, on peut fouiller encore plus. Donc, réponse aux incidents super importants. Analyse de malicieux, il y en a sûrement des experts entre chez vous. Faire l'analyse de malware. Là, on a un sandboxing, que vous savez sûrement c'est quoi.
forensique virtuelle, on peut utiliser une machine virtuelle pour voir c'est quoi l'image, c'est quoi l'environnement que l'utilisateur avait. Donc, le côté virtuel est encore très, très peu évolué en enquête, mais c'est génial. Ouvrir une VM pour voir vraiment qu'est-ce que l'utilisateur avait devant lui, c'est très, très intéressant. Data carving. On a-tu le temps? On a-tu le temps de couvrir ça ou on a-tu droit à une extension? Deux minutes. En gros, c'est tout simplement d'extraire des données de leur environnement, de l'environnement dans lequel ils ont été sauvegardés. Je prends un fichier, j'ouvre un fichier .doc, je mets une image JPEG à l'intérieur de ça. Je vais être capable d'extraire cette image-là, même si le fichier a été barré, pas s'il a été encrypté, évidemment. Mm-hmm. Une situation où ça va arriver, c'est la personne va faire du tourisme sexuel à l'étranger, revient au Canada, en ayant effacé ses données, il a continué à utiliser son ordinateur, mais on va être capable de prendre les JPEG qui ont été effacés partiellement, parce que ça va toujours sauvegarder des genres de miniatures dans le milieu. On a le temps pour un. On va y aller avec le PDF, puis après ça, conclusion. Parfait. Lui, il le fait manuel, mais moi, je le fais avec Formos. Si vous avez Formos, génial. PDF. Voici l'image démontrant le crime commis par le chien de ton fils. À bon entendeur, salut, Robert du 6760. Malheureusement, la preuve, la photo, ce qu'on présume être une photo, était obscurcie par un abject carré rouge. Donc, j'ai décidé de faire une procédure de désencastrement à l'aide de WinRex. Dans un premier temps, je me doutais bien que c'était une photo et j'ai présumé qu'il s'agissait d'un JPEG. Nous avons donc fait la recherche d'une signature de début de JPEG, en l'occurrence FFD8, et j'ai fait la recherche pour une signature de fin de JPEG FFD9. Alors, j'ai trouvé les deux. Je vais donc d'office définir un bloc qui commencera à 5F3, c'est au FFD8, et qui va se terminer au FFD9, 8.0.4E, mais le fichier se termine par le D9, donc il faut donner un octet de plus, 8.7.0.4F. Il suffit maintenant d'exporter ces données-là vers un nouveau fichier. Alors, on va copier ça dans un nouveau fichier qu'on va appeler preuve.jpg. On va aller voir ce que ça donne. On va ouvrir le fichier preuve.jpg. Et voilà, le fichier est intact, interprétable. Sorti directement de l'esprit délirant de mon fils bien-aimé. On va se rendre à la salle oui. Question Q&A, je pense. Oui. Q&A. Alors, ceux qui veulent continuer la discussion avec nous autres, vous êtes les bienvenus. On s'y rend tout de go. Oui, puis je finirai par qu'est-ce que ça prend pour faire des enquêtes informatiques. Beaucoup de patience, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de passion, parce que des fois, tu passes 35 heures dans ta semaine, puis tu n'as fait que ça. Mais mon boss me dirait, bon, reste encore 35 heures, puis je dirais oui. Beaucoup de persévérance, ça prend des bons collègues. J'en ai un à l'Université Malzuma qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. J'ai un bon mentor. Je pense que lui, il a eu une bonne élève aussi. Et on a des bons outils. Ça, comme vous voyez, on peut faire ça gratuitement avec des open source. C'est super intéressant.
Mais si vous avez des questions, ben Sylvain puis moi, on est là pour répondre. Puis c'est ça.